Amen. Amen. Vous avez remarqué, aujourd'hui, on a préféré mettre les trucs derrière. Wir haben heute es vorgezogen, dass wir die Musiksachen alle hinterstellen. Wir wollen laisser la place à Jésus. Weil wir Jesus den Platz vorne lassen wollen. Le plus souvent, quand les gens sont devant, ça chante là, au lieu de regarder à Jésus. Weil wenn die Leute, die singen, vorne stehen, schauen wir nicht mehr Jesus an. On a l'impression que c'est un spectacle, il faut regarder ceux qui chantent. Sondern wir gucken die an und wir schauen ein Theaterspiel an. Nous voulons voir Jésus-Christ élevé partout où nous allons. Aber wir wollen Jesus aber hoch erhoben sehen. Nous voulons le voir au-dessus de tout. Wir wollen ihn über alle sehen. Amen. Amen. C'est même la raison pour laquelle, pour commencer même ce truc-là, on a préféré mettre d'abord Jésus-Christ en haut. Sogar bei diesem Panneau, bei diesem Plakat hier haben wir lieber Jesus Christus gleich ganz nach oben geschrieben. Amen. Bon, je vais commencer un peu avec quelques petites informations. Ich möchte euch einige Informationen geben. C'est très important aussi de faire un peu des comptes rendus, hein? Ein Amen. Bisschen eine Zusammenschau geben. Bon. On organise souvent ce genre de rencontres. Öfters schon haben wir diese Konferenzen organisiert. Au début, on est parti un peu partout en Allemagne. Wir haben in unterschiedlichen Orten in Deutschland das gemacht. On était à Wuppertal. Wir waren schon in Wuppertal. Plusieurs fois à Wuppertal. Mehrere Mal. À Bonn. In Bonn auch. À Regensburg. In Regensburg. Stuttgart. In Stuttgart. Y a encore autant Berlin. Berlin. In Berlin. À Berlin aussi. Et pourquoi on fait ça? Und warum tun wir das? C'est tout simplement pour dire au peuple allemand, disons à tous ceux qui vivent en Allemagne, um all denen in Deutschland zu sagen, que le Seigneur revient bientôt. Dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Et le message que nous prêchons un peu plus partout. Und diese Botschaft, die wir überall predigen. C'est de dire aux gens de revenir à Jésus-Christ. Die besagt, dass die Leute zu Jesus Christus zurückkehren wollen. Revenir à Jésus, c'est revenir à sa parole. Zu Jesus zurückkehren ist zu seinem Wort zurückkehren. Revenir à sa parole, c'est revenir aussi à Jésus. Zum Wort zurückzukehren heißt auch zu Jesus zurückzukehren. Parce que Jésus-Christ est la parole. Weil Jesus Christus selbst ist das Leben. Amen. Das Wort. Et il dit que Und er sagt, si vous acceptez la vérité, wenn ihr die Wahrheit akzeptiert, la vérité vous affranchira. Dann wird die Wahrheit euch freisetzen. Donc en fait, lorsqu'on accepte la vérité, Dieu nous libère. Wenn man also die Wahrheit gibt, dann wird man frei. La parole dit bien que ce monde, in dieser Welt sagt das Wort, que le diable a aveuglé les yeux, hat der Teufel die Augen verblendet, des gens dans ce monde, dieser Menschen, die in dieser Welt leben, afin qu'ils ne voient pas, damit sie nicht sehen, la splendeur de l'évangile, la lumière, la vérité, das Licht, die Wahrheit des Evangeliums. Alors lorsque nous prêchons la vérité, wenn wir also die Wahrheit predigen, Dieu agit, dann handelt Gott, les écailles tombent, die Schuppen fallen von den Augen, et lorsque les personnes acceptent la vérité, und wenn die Leute die Wahrheit akzeptieren, elles sont libérées, dann sind sie frei. Amen. Amen. Donc nous sommes réunis déjà plusieurs fois ici à Stuttgart. Wir waren schon einige Male hier in Stuttgart. Et avec toute la dernière fois, on avait fait une, bon, disons par rapport à zurück zum Wort, on a ouvert une ONG, comme on peut dire, Verein. Wir haben einen Verein aufgemacht. Parce qu'en fait, au début, quand on se réunissait, weil am Anfang, als wir uns versammelt hatten, on avait on faisait souvent des cotisations pour organiser ce genre de rencontres.
haben wir erstmal sammeln müssen, um dann diese Art von Treffen zu veranstalten. Et ces cotisations, on les mettait souvent, c'était dans le compte d'une personne, c'était un compte privé. Und alle diese Ersparnisse kamen auf ein Privatkonto. Donc avec le temps, on se dit, il faut qu'on ouvre une ONG. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen einen Verein gründen. Pour avoir un compte bancaire. Damit wir auch ein regelmäßiges Bankkonto haben. Afin que ça ne soit pas quelque chose de privé. Damit das Geld nicht auf ein Privatkonto gehen muss. Amen. Et tout ce qui entre, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Und dass alles reingeht, dass man nachweisen kann, dass es fürs Werk Gottes ist. Ça n'appartient à personne. Und das gehört niemandem. Ça appartient à Dieu. Sondern nur Gott. À son œuvre. Und seinem Werk. En Allemagne. Amen. In Deutschland. Donc en fait, zurück zum Wort, ce n'est pas une dénomination. Zurück zum Wort ist also keine Denomination. C'est juste une vision. Oder, sondern eine Vision. Pour nous permettre de propager l'évangile dans l'Allemagne. Die uns erlaubt, das Evangelium weiterzugeben. Et ce compte bancaire. Und das Bankkonto? C'est tout simplement pour nous permettre de pouvoir subvenir aux besoins de toutes nos activités. Das Bankkonto ist nur da, damit unsere Aktivitäten gestützt werden finanziell. Disons, soutenir ces activités. Amen. Amen. Et ça n'appartient à personne. Ça appartient Und niemandem gehört dieses Konto. Alléluia. Gott. Et il y a pas long. Donc en fait. Zurück zum Wort n'a rien à voir avec une place bien précise. Zurück zum Wort ist nicht an einem bestimmten Platz. C'est juste une vision pour se balader, pour propager l'évangile dans toute l'Allemagne. Es ist nur eine Vision, das Evangelium in ganz Deutschland zu verbreiten. Amen. Alors donc quand des gens font des cotisations, des trucs comme ça. Wenn also Leute Geld hergeben, c'est seulement pour souvenir, c'est pour soutenir toutes ces activités. Ist, alle diese Aktivitäten, die unternommen werden, zu unterstützen. Qu'est-ce qu'il y a comme activité? Welche Aktivitäten? Organiser des conférences, par exemple. Beispielsweise Konferenzen zu organisieren. Pour organiser des conférences, le plus souvent, bon, on a ça, par exemple, ce truc-là. Beispielsweise dieses Roll-up. C'est les BAF. Und Boxen. Ce truc. Notenständer oder Pult, Rednerpult. Kamera. Kamera. Le matériel que vous voyez derrière. Instrumente. Beaucoup de choses qu'on utilise pour l'œuvre du Seigneur. Und die Dinge, die man fürs Werk Gottes braucht. Amen. Personne ne l'utilise à ses fins propres. Niemand benutzt die Dinge für seine eigenen Zwecke. Alléluia. Et il faut beaucoup faire la différence avec les églises locales et le travail que nous faisons là. Und wir müssen schon einen Unterschied machen zwischen den örtlichen Gemeinden und dem, was überregional wir tun. Par exemple, à Hambourg, il y a une église. Beispielsweise gibt es in Hamburg eine Gemeinde. C'est-à-dire des frères et sœurs qui se réunissent là-bas. In Hamburg versammeln sich beispielsweise Brüder und Schwestern. Si par exemple ces frères et sœurs à Hambourg ont besoin d'être soutenus. Und wenn die Brüder und Schwestern in Hamburg unterstützt werden wollen. Ils veulent organiser une forme, c'est-à-dire une évangélisation là-bas. Weil sie beispielsweise eine Evangelisation planen. Et ils font appel aux frères et sœurs qui sont un peu partout en Allemagne. Dann können Sie Brüder und Schwestern in Deutschland zu Hilfe rufen. On regarde dans ce compte. Und dann gucken wir in dieses Konto. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour pouvoir faire l'œuvre là-bas? Haben wir etwas drinnen, das Werk in Hamburg da zu unterstützen? Amen. L'église qui se trouve à Hambourg. Die Gemeinde, die in Hamburg ist. C'est une église locale. Ist eine lokale Gemeinde. Ce sont des frères et sœurs de la ville, de cet endroit qui se réunissent. Die Brüder und Schwestern in diesem Ort, die versammeln sich. Ils peuvent avoir aussi des cotisations. Ils ont par exemple certains
but à atteindre. Die haben vielleicht auch Ersparnisse, weil sie gewisse Ziele erreichen wollen. Ils se disent, bon, on veut faire telle chose. Sie sagen sich, wir wollen diese und jene Sachen erreichen. Ils s'organisent pour faire quelque chose sur place. Und sie organisieren sich, um selbst was zu machen. L'église locale s'organise. Die örtliche Gemeinde organisiert sich. Amen. Quand les frères et sœurs de partout viennent pour aider ceux qui sont à Stuttgart, à Hambourg par exemple. Und wenn Brüder und Schwestern von überall von Deutschland kommen und diese Geschwister in Hamburg unterstützen, ça prend une autre dimension. Dann wird's eine andere Dimension. On se comprend? Versteht ihr den Unterschied? Amen. Vous comprenez? Versteht ihr? Alors, il n'y a pas longtemps, nous avons fait une annonce que nous avons besoin du matériel pour la musique. Vor nicht langer Zeit haben wir eine Annonce aufgegeben, einen Spendenaufruf gestartet, in dem es hieß, dass wir Video- und Soundanlagen, Geräte brauchen. Nous avons remarqué qu'en fait, qu'il nous manquait des microphones, il nous manquait un mischpult. Wir haben gemerkt, dass wir kein Mischpult haben, Mikrofone und so weiter. Il nous manquait beaucoup de choses, caméra et tout viele ça. Dinge, keine gute Kamera. Et on avait fait une annonce. Und wir haben einen Spendenaufruf gestartet. Et des gens ont participé. Und Leute haben da gespendet. Je vais vous faire le compte rendu. Und zwar près de 1200 euros sont entrés. Wir haben ungefähr 1200 Euro zusammenbekommen. Venu de partout. Die von unterschiedlichen Quellen kamen. Et avec cet argent. Und mit diesem Geld. Nous avons acheté, c'est quoi le Mischpult. Haben wir das Mischpult hier gekauft? Des câbles. Kabel. Mikrofon. Mikrofone. Du matériel pour organiser ce genre de rencontre. Gerätschaften, um diese Art von Treffen zu veranstalten. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Können wir für Jesus klatschen? Et j'aimerais vraiment vous encourager. Ich möchte euch ermutigen. Tout ce que nous faisons. Alles, was wir tun. C'est pour la gloire de Jésus-Christ. Ist nur für Gottes Ehre. Tout ce que nous faisons, alles, was wir tun, c'est pour la gloire de Jésus. Zur Ehre Jesu Christi. La plupart des frères et sœurs qui travaillent un peu dans ce que nous faisons, die meisten Brüder und Schwestern, die mitarbeiten, ce sont des personnes qui travaillent. Sind Leute, die selbst zur Arbeit gehen. Qui ont de la famille. Sie haben Familien. Donc, je vois mal pourquoi on va prendre l'argent dans cette caisse pour se mettre dans la poche. Und ich weiß nicht, warum wir aus dieser Kasse Geld stehlen sollten und es in unsere eigenen Taschen geben. Tout ce que nous faisons, c'est pour que Jésus-Christ soit glorifié. Sondern alles, was wir tun, ist zur Ehre Jesu Christi. Donc, j'aimerais vous rassurer. Ich möchte euch versichern, que tout ce qui entre, dass alles, was reingeht, tout ce qui est comme participation, alles, was von außen kommt als Teilnahme, toutes ces choses sont utilisées pour l'œuvre du Seigneur. Alle diese Dinge werden nur fürs Werk Gottes benutzt. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a fait grâce de faire, par exemple, des flyers. Der Herr hat uns Gnade geschenkt und wir haben Flyer, Traktate gemacht. Distribuer lors des évangélisations. Und wenn es irgendwo eine Evangelisation gibt, dann können die verteilt werden. Pour faire ces flyers, on prend l'argent de cette caisse. Um diese Flyer zu machen, nehmen wir das Geld von der Kasse. Et une fois, j'ai reçu un mail de quelqu'un, un mail qui venait d'Israël. Und eines Tages habe ich die Mail von jemanden aus Israel empfangen. C'était une personne qui circulait quelque part ici en Allemagne. Eine Person, die irgendwo in Deutschland hier war erst. Qui avait reçu le flyer. Den Flyer bekommen hat. Qui allait sur Internet. Auf Internet gegangen ist. Il a vu le site Internet. Und er hat die Internetseite gesehen. Il a suivi les enseignements. Er hat Lehren angehört. Il a suivi nos conférences ici. Er hat Konferenzen mit angeguckt. En Israël. In Israel. Et il a écrit. Und er hat geschrieben. Merci. Danke. Nous ne pouvons que dire merci à Jésus. Wir können zu Jesus Danke sagen. Acclamons pour Jésus-Christ. Wir klatschen für Jesus. Une autre fois. Eines Tages une autorité ici nous a appelé.
hat uns eine Autorität angerufen, ein Botschafter. Nous avons pris la voiture, nous sommes allés jusqu'à Berlin pour rencontrer cette personne. Wir haben das Auto genommen und sind nach Berlin gefahren. Nous avons partagé la parole avec cette personne. Und haben mit diesem Botschafter das Wort Gottes geteilt. Échangé. Und haben uns ausgetauscht. Donné quelques livres gratuitement. Einige Bücher gegeben und zwar kostenlos. Et nous sommes retournés à la maison. Und wir sind nach Hause gefahren. Ce déplacement qui a été fait. Der Sprit für die Fahrt. Le carburant aller-retour. Um hin und zurück zu fahren. Pour ce genre d'activité. Solche Art von Aktivitäten. L'argent est pris de ce compte. Für diese Art von Aktivitäten nehmen wir auch das Geld aus dem Konto. Alléluia. Donc quand on bouge pour faire aussi de telles choses. Wenn wir also uns fortbewegen, um solche Dinge zu tun. Pour le travail du Seigneur. Um das Werk Gottes zu tun. C'est ce que nous utilisons. Nehmen wir dieses Geld her. Nous utilisons aussi beaucoup de nous-mêmes. Faut pas l'oublier. Wir benutzen auch unser eigenes Geld dafür. Alléluia. Amen. Évangélisation. Evangelisation. Partager la parole. Das Wort teilen. Organiser des conférences. Konferenzen organisieren. Des enseignements. Lehren tun. Parce qu'on organise souvent des enseignements, ça vient. Und, Lehre weitergeben. Tout ça, on prend ça là-bas. Das für diese Zwecke wird dieses Geld benutzt. Alléluia. Merci Dean de m'avoir appelé. Danke Dean, du hast mich an was erinnert. Nous soutenons aussi, avant d'arriver là, il y a des frères et sœurs, il y a des sœurs, je dirais des sœurs, parce que rarement. Es gibt Schwestern. Les frères, bon, sont rarement dans ce mouvement, qui partent souvent en route pour donner à manger aux. Die manchmal auf die Straße gehen. Sans-abri. Obdachlosen was zu essen zu geben. Jusqu'à présent, bis jetzt, c'est sorti de leur poche. Ist das aus ihrer eigenen Kasse gekommen. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais vous dire aussi que ce genre d'activité, on aimerait aussi les soutenir. Aber ich möchte euch sagen, dass auch solche Art von Aktivitäten unterstützt werden sollten. Alléluia. Nous voulons voir Jésus-Christ à l'œuvre. Wir wollen Jesus Christus am Werk sehen. Nous ne pouvons pas rester dans nos maisons seulement et prier, non? Wir können nicht zu Hause bleiben und nur beten. On doit aussi sortir. Sondern wir müssen rausgehen. Un autre point, nous soutenons aussi des veuves du côté de la RDC. Wir unterstützen auch Witwen im Kongo. Et on envoyait de l'argent par mois. Und monatlich wird Geld hingeschickt. Et à un moment donné, on s'est dit bon. Wurde Geld hingeschickt. C'est mieux qu'on envoie maintenant une personne pour aller voir sur place. Und wir haben uns gedacht, es ist besser, wenn wir mal jemanden hinschicken, damit der die Lage dort anschauen kann. Pour que les choses soient vraiment bien organisées. Damit die Dinge besser organisiert sind. C'est la raison pour laquelle les gens continuent de donner, c'est vrai. Und deswegen machten die Leute weiter. Mais on n'en voit plus par mois comme on le faisait. Die Leute geben weiter Geld, aber wir haben es nicht mehr monatlich hingeschickt. C'est gardé. On le garde. Sondern wir behalten das Geld. Pour préparer ce voyage, envoyer une personne aller sur place. Um diese Reise vorzubereiten, damit eine Person dorthin fahren kann. Et faire le travail sur place. Und vor Ort arbeiten kann. Pour bien établir les choses. Um die Dinge gut zu installieren dort. Amen. Au début, on envoyait environ combien par mois? 500 euros. Voilà. Am Anfang wurde pro Monat 500 Euro geschickt. On envoyait 500 euros. 500 Euro. Je crois qu'on avait montré une vidéo ici. Und wir haben auch hier mal ein Video gesehen. Comment cette dame nous avait nous remercié. Von dieser alten Frau, die uns so sehr gedankt hat. Amen. Amen. Les photos et vidéos on les retrouve dans le site Zurück zum Wort. Und die Fotos und Videos könnt ihr auf der Homepage von Zurück zum Wort anschauen.
Zurück zum Wort.org. Zurück zum Wort.org. Amen. C'est clair? Ist das klar? Vous avez compris? Habt verstanden? Parce que c'est très important qu'on vous fasse aussi le compte-rendu, qu'on vous explique ce qui se fait. Alléluia. Es ist sehr wichtig, dass ihr versteht, was wir tun. Genau. L'évangile que nous prêchons, c'est gratuit. Weil das Evangelium, das wir predigen, ist kostenlos. On ne demande pas l'argent aux gens. Wir wollen kein Geld von Menschen. On ne dit pas aux gens, donne ça, tu vas recevoir ça. Wir sagen nicht zu jemandem, gib so viel und du wirst so viel ernten. Donne tant et puis Dieu va te donner tant. Gib so und so viel und Gott wird dir so und so viel zurückgeben. Parce que tu peux me donner. Weil du kannst mir geben. Et puis venir réclamer ça demain. Aber morgen möchtest du dein Geld wieder zurückhaben. Mais si tu donnes à Dieu. Aber wenn du es Gott gibst. Si tu le fais pour Jésus. Wenn du es für Jesus tust. Tu ne diras pas Jésus, rends-moi ce que je t'ai remis. Dann wirst du nicht sagen, Jesus, gib mir zurück, was ich dir gegeben habe. Alléluia. Donc les informations sont sur ce, il y a aussi des informations sur ce site internet. Diese Informationen findet ihr auf der Homepage. Les différentes activités, les conférences, les évangélisations. Diese Dinge, von denen wir gerade gesprochen haben. Vous les trouvez à l'intérieur. Le compte bancaire. Auf dem Bankkonto. Comment dire pour spenden, tout ça, c'est à l'intérieur. Amen. Spendenkonto findet ihr auf der Homepage. Et si vous voulez, vous avez des questions. Und wenn ihr Fragen habt. Si vous voulez vous, qu'on organise des séances d'enseignement. Wenn ihr Lehre haben wollt, Sitzungen, wo Lehre gegeben wird. Vous pouvez écrire à l'intérieur. Könnt ihr schreiben. Vous êtes et dites de quelle ville vous venez. Da müsst ihr nur dazu sagen, von welcher Stadt ihr kommt oder welchem Ort. Et on pourra s'organiser pour essayer de vous rendre visite. Und dann werden wir uns organisieren und gehen dahin. Si Dieu le veut. Wenn Gott will. Amen. Il y a encore un autre point là que je voulais ajouter qui m'échappe un peu là. Es gibt noch einen Punkt, der mich ein bisschen kratzt. Und ich weiß nicht mehr, was es war. Vous vous organisez dans certains endroits en Allemagne. Ihr versammelt euch an verschiedenen Orten in Deutschland. Vous voulez organiser une forme d'évangélisation. Wollt ihr eine Evangelisation organisieren? Rapprochez-vous aussi. Ihr könnt euch auch nähern. Amen. Ihr könnt uns kontaktieren. Nous ne voulons pas que vous soyez seul. Vous vous sentez seul. Ihr braucht euch nicht alleine fühlen. Il faut vous dire qu'en Allemagne, il y a des frères et sœurs qui veulent que Dieu se glorifie. Ihr müsst wissen, dass in Deutschland auch Brüder und Schwestern gibt, die sehen wollen, dass Gott verherrlicht wird. Oder mais, Gott sich verherrlicht. Mais sachez que tout ce que nous faisons, ihr müsst aber wissen, dass alles, was wir tun, c'est pour la gloire nur zur Herrlichkeit Gottes ist. Amen. J'ai oublié un point, quelque chose que je voulais ajouter. Habe ich irgendwas vergessen? Vous avez des questions? Habt ihr Fragen? Qui sont ceux qui sont de Stuttgart? Wer kommt aus Stuttgart? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les gens de Stuttgart? Wir klatschen für die Leute in Stuttgart. Nous vous bénissons. Wir segnen euch und wir danken euch, dass ihr uns empfangen habt. Wir sind sehr fröhlich, dass wir mit euch heute zusammen sein können. Wir haben Leute, die von unterschiedlichen Orten kommen, beispielsweise Hamburg. Donc, sachez que tout ce que nous faisons, c'est pour l'œuvre du Seigneur en Allemagne. Alles, was wir tun, ist fürs Werk Gottes in Deutschland. Alléluia. Les enseignements,
die Lehren. Vous pouvez poser des questions sur le site. Ihr könnt auch auf dem Kontaktformular eure Fragen stellen. Il faut que ça bouge. Bewegen wir uns. Il faut que ça bouge. Bewegen wir uns. Amen. Il faut que ça bouge. Bewegen wir uns. Ah voilà, le point que je voulais ajouter, c'est concernant maintenant la musique aussi. Was die Musik betrifft. Sur le site internet, j'ai balancé quelques chansons. Auf der Homepage sind einige Lieder. Enregistrées, comment dire? Hein? C'est voilà, enregistré vite fait. Mitternacht aufgenommen. Nicht Mitternacht, quand même. Schnell aufgenommen. Schnell aufgenommen, ja, genau. Des choses qu'on a enregistrées rapidement. Bon, rapidement, c'est un peu trop dit, mais vraiment, simplement. Des Dinge, die ganz, ganz einfach aufgenommen wurden. Tout simplement parce que nous voulons chanter en allemand. Ganz einfach, weil wir deutsche Lieder kennenlernen wollen. Vous avez remarqué que la plupart des chansons là, que vous connaissez en français, ihr habt schon gemerkt, dass einige der Lieder, die ihr auf Französisch kennt, auch auf Deutsch gesungen wurden. Das ist der Grund, warum wir auch auf Deutsch predigen wollen. C'est la raison pourquoi on veut aussi prêcher en allemand. Amen. Wenn wir uns versammeln, quand on se réunit, die Lehren werden auf Deutsch gemacht. Les enseignements seront donnés en allemand. Alléluia. Sogar wenn es quitsch oder wenn es zu schwer auf Französisch oder auf Englisch ist. Même quand ça sonne trop dur. Sogar wenn es hängt irgendwo. Même si ça glisse. Es gibt immer jemanden, der, also jemand in der Nähe, um zu übersetzen. Il y a toujours quelqu'un qui peut te traduire. Alléluia. Wenn die Deutschen kommen. Quand les Allemands vont venir. Leute aus englischsprachigen Ländern. Ou bien les anglophones. Es wird immer jemand geben, der das übersetzen kann. Il y aura toujours quelqu'un qui va traduire. Alléluia. Kann mich noch erinnern, einmal sogar in Paris gab es also eine Konferenz. Une fois à Paris, il y avait une conférence. Und der Dean wurde sogar angerufen und musste auf Deutsch am Telefon übersetzen. Et on a appelé Dean et il devait traduire au téléphone. Es hatte trotzdem geklappt. Et ça fonctionnait. Amen. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Herr Jesus Christus, dein Name sei gelobt. Donc en fait, toutes ces informations, je voulais à tout prix vous donner ces informations. Ich wollte euch nur diese Informationen weitergeben. Pour que vous sachiez vraiment. Damit ihr wirklich wisst. De quoi il s'agit. Um was es geht. Il y a des rencontres locales. Es gibt örtliche Treffen. Et il y a ce travail que nous faisons aussi. Und diese Arbeit, die wir national tun. Alléluia.